Hallelujah. Praise the Lord. Nous revenons sur notre livre. We are coming back on our book. Le brisement. The brokenness. Du professeur Zacharias Tanifomon. Of Professor Zacharias Tanifomon. Je voudrais préciser que l'édition que nous utilisons. I would like to precise that the edition we are using. La première page de la couverture n'a pas tout le titre. The first page of the cover does not have the whole heading. Sinon, if le not, sous-titre c'est le secret du débordement spirituel. The subtitle is the secret of spiritual overflow. Mais si tu lis, si tu utilises la version que nous avons utilisée, if you use the version we are using, j'ai laissé la mienne. Si tu l'utilises, il faut fouiller le sous-titre à l'intérieur. If you use it, then check the subtitle inside. Mais ce n'est pas très important. But it's not very important. Parce que le message est clair. Because the message is clear. Après avoir dit ce que nous avons dit dans notre introduction, after saying what we said in our introduction, savoir que la spiritualité ne se mesure pas. Knowing that spirituality, en fonction des dons spirituels, knowing that spirituality is not measured according to spiritual gifts, et encore moins par des routines, par la pratique des routines, and also by the practice of routines, la spiritualité se mesure dans la capacité de s'éloigner du péché. Spirituality is measured through the capacity to depart, to get away, far away from sin. La Bible dit que les insensés font le jeu du péché. The Bible says that the fool makes the game of sin. Et le péché brise la communion avec Dieu. And sin breaks fellowship with God. Dans Isaïe 59, il dit que ce sont les péchés qui nous séparent de Dieu. In Isaiah 59, it is said that it is sins that separate us from sin. From God. Quand tu as brisé la communion avec Dieu, when you have broken fellowship with God, même si tu lis la Bible, tu ne vas même pas la comprendre. Even if you read the Bible, you will not even understand it. La Bible sera pour toi comme un livre cacheté qu'on donne à quelqu'un pour lire et dit je ne peux pas lire parce qu'il est cacheté. The Bible will be for you like a book that is sealed, and then you give it to someone and you say I cannot read it because it is sealed. Ce soir, nous allons continuer en disant ceci. This tonight we are going, we will continue saying this. Il y a l'homme, there is naturel, the natural man. Il y a l'homme naturel. There is natural man. Il y a l'homme converti. There is converted man. Il y a l'homme naturel. There is natural man. Il y a l'homme converti. There is the converted man. Il y a l'homme converti, mais non brisé. There is the converted man, but not broken. J'ai dit qu'il y a l'homme naturel. I said that there is natural man. Il y a l'homme converti. There is the converted man. Il y a l'homme converti, non brisé. There is converted man, but not broken. Il y a l'homme. There is brisé, c'est l'homme spirituel. Il y a l'homme spirituel, donc l'homme brisé. There is the broken man. That is the spiritual man. Brisé, soumis à Dieu. Broken, submitted to God. Il y a l'homme charnel. C'est toujours l'homme. Quand l'homme n'est pas encore brisé, il s'appelle aussi l'homme charnel. There is the carnal man. That is when man is not broke, is not broken yet. He is a carnal man. Et plus loin, nous verrons l'acte divin pour le brisement de l'homme. Father, we will see the divine act for the brokenness of man. C'est-à-dire, nous avons commencé déjà à examiner certaines vérités du livre. We have already started examining some truths of the book. Et lisons quelques versets avant d'aller plus loin. Quelqu'un lise pour nous 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Let us read some verses before going further. We are going to first to read 1 Corinthians 2
14. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. 1 Corinthians 2, verse 14. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him. Nor can he know them because they are spiritually discerned. Amen. Lis aussi pour nous 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 à 5. We will also read 1 Corinthians chapter 3 reading from verse 1 to 5. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 à 5. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je donnais du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et un autre, moi, d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Amen. 1 Corinthians chapter 3, reading from verse 1 to 5. And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ. I fed you with milk and not with solid food, for until now you were not able to receive it, and even now you are still not able, for you are still carnal. For where there are envy, strife, and divisions among you, are you not carnal and behaving like mere men? For when one says, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are you not carnal? Who then is Paul and who is Apollos, but ministers through whom you believed as the Lord gave to each one. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Donc, on peut trouver quelqu'un qui est né, qui n'a pas encore cru. Il est naturel. Il est un homme naturel. Il est un homme animal. So we can find someone who is born and who has not believed yet. He is a natural man. He is an animal man. On peut aussi rencontrer quelqu'un qui est né, qui a donné la vie à Jésus, mais qui est encore charnel, qui est encore homme animal. So we can also find, parce qu'il n'est pas encore brisé. We can also find someone who is born and has given his life to Jesus, but who is still carnal because he's not broken yet. Le Saint-Esprit n'a pas encore trouvé le chemin pour Dieu dans son cœur. The Holy Spirit has not found the way for God in his heart yet. Et quand tu es dans cet état, and when you are in this state, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. You cannot understand the things of God. Même si tu es déjà dans la foi. Même si tu es déjà dans la foi. Even if you are already in faith. Il y a un travail. There is a work pour être brisé, pour que l'Esprit de Dieu produise en toi la vie de Dieu. For you to be broken, that is for the Spirit of God to produce in you the life of God. Lis pour nous Jean chapitre 3 verset 6. Read for us John chapter 3 verse 6. Jean chapitre 3 le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. John
chapter 3, verse 6. That which is born from the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Vous voyez, ce qui est né de la chair est chair. You see, that which is born of the flesh is flesh. Ce qui est né de l'esprit est esprit. That which is born of the spirit is spirit. Ici, here, quand, pas ici, c'est ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 3. Qu'est-ce que l'apôtre dit? What we read in 1 Corinthians chapter 3, what does Apostle Paul say? Il dit pour moi, he says for me, frère, brethren, ce n'est pas comme à des hommes spirituels, it's not as que j'ai pu vous parler. It's not as to spiritual men that I spoke to you. Mais comme à des hommes charnels. But as to carnal men. Et écoutez bien. Listen carefully. Comme à des enfants en Christ. As to babes in Christ. C'est-à-dire que si tu as même cru, it means that if you have believed, si tu restes enfant, ce n'est pas bon. If you remain a babe, it's not good. Parce que c'est charnel. Les enfants en Christ sont charnels. Because it is carnal. Children are carnal. Ils ont encore les querelles, l'orgueil, la jalousie. They still have jealousy, quarrels, and pride. Ils ont peur de souffrir. They are afraid to suffer. Et tu peux rester enfant en Christ pendant toute ta vie. And you can remain a babe in Christ all your life long. Ce n'est pas une question de temps. It's a question of time. C'est une question de l'acte suprême de Dieu dans ta vie. It's not a question of time, but it's a question of the supreme act of God in your life. Et ta capacité de laisser Dieu travailler en toi. And the ability to allow God to work in you. Quelqu'un peut rester parmi nous. Someone can remain in our midst. Vivant dans l'immoralité toute sa vie. Living in immorality all his life long. Il est un homme animal. He is an animal man. Ce n'est pas une question de durer dans la foi. It's not a question of lasting long in the faith. C'est pas une question d'attestation. C'est pas une question de formation ou de diplôme. It's not a question of training and certificate. Tous les frères, tous les croyants passent par là. All the brethren, all the believers pass by this way. Tu es naturel. You are natural. Tu donnes et tu es naturel. Tu donnes la vie à Jésus. Tu es bébé, donc tu es charnel. You are natural. You give your life to Jesus. You become a babe. That is, you are carnal. Dieu comprend que tu sois bébé. God can understand that you are a babe. Mais il ne comprendra pas pourquoi tu restes bébé pendant 15 ans. But God will not understand that you remain a babe for 15 years. Avec les dents. With teeth. Certains bébés ont déjà la barbe, mais le petit corps, une petite tête, some un petit babes, visage mûr. Some babes already have beards, but with a mature face. Je vous ai parlé comme à des hommes charnels. I spoke to you as to carnal men. Comme à des enfants en Christ. As to babes in Christ. Certains aimeraient afficher, je suis encore bébé, je suis encore bébé. Ce n'est pas un bon titre. Some saying, I'm still a baby, I'm still a baby. This is not a good title. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit rapidement spirituel. The will of God is for us to be spiritual speedily. En quelques jours, Paul était déjà un homme spirituel. In a few days, Paul was already a spiritual man. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous notez ceci. Note this. L'homme naturel, natural man, a des capacités naturelles. Possesses natural capacities. L'homme naturel a des capacités naturelles. Natural man possesses natural capacities. Des capacités qu'il a reçues de Dieu en tant que créateur. Capacities that he received from God as the creator. C'est par nature que l'homme naturel reçoit cette capacité-là. It is by nature. Qu'il reçoit ces capacités-là. It is by nature that a natural man receives those capacities. Pour les recevoir, to receive them, il ne dépend pas nécessairement de Dieu. It does not necessarily depends on God. Tous les êtres humains, all human beings, ont des capacités naturelles. Possess natural capacities.
Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tous les êtres humains, all human beings, entrent dans la vie en tant qu'homme naturel. Enter life as natural man. Dans le livre que nous étudions, in a book we are studying, nous allons voir le personnage de Jacob. We are going to see to talk about one character that is Jacob. À travers ce personnage, nous pouvons voir quelles sont les caractéristiques d'un homme qui est naturel. Through this character, we can see the features of a natural man. Un homme qui est charnel. A man that is carnal. Et lis pour nous Genèse 25, verset 22. Read for us Genesis 25, verse 22. Genèse, chapitre 25, le verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Amen. Genesis 25, verse 22. But the children struggled together within her, and she said, if all is well, why am I like this? So she went to inquire of the Lord. La parole de Dieu parle ici de Jacob et son frère. The word of God here is about Jacob and his brother. Le frère montre que ça c'est une analyse pour nous permettre de comprendre. The brother Zach made an analysis to allow us to understand. Il montre que Jacob avait quelque chose en lui. He showed that Jacob had something in him. Depuis le sein de sa mère. From his mother's womb. Il a lutté pour être premier depuis le sein de sa mère. He struggled to be first. Since his mother's womb, il a raté. That is, he failed. Même jusque là, il a quand même saisi le talon pour rester. And even so far, pour retenir son frère. He seized the heel of his brother to maintain Et him. Cela va le caractériser tout au long de sa vie jusqu'à ce que Dieu intervienne. This will characterize him all along his life until God intervened. Et pendant que je préparais l'enseignement, while I was preparing the teaching, le Seigneur a ouvert mon esprit. The Lord opened my mind. Il est vrai que le frère a mis l'accent sur Jacob. It's true that the brother laid an emphasis on Jacob. Mais Esaü aussi est charnel. But Esau is also carnal. Mais pour lui, c'est la passivité. Ça se manifeste par la passivité. But he is carnal condition is manifested through passivity. Et par la superficialité. By superficiality. Vous verrez comment il va vendre son droit de naissance facilement. You will see how he will sell his birthright so easily. C'est aussi les manifestations du caractère naturel. These are also the manifestation of carnal, natural character. Parce que l'homme naturel est capable de bonnes choses et de mauvaises choses. Because natural man is able of good things and evil things. Si on ne précise pas ainsi, quelqu'un peut penser que Jacob était très mauvais ou vraiment que if we don't, il y aura un nuage sur son frère Esaü. And if you don't make this precision, someone could believe that Jacob was bad and there would be a cloud on his brother Esau. Il est léger. He is light. Esaü. Esau. Son père lui dit que j'ai déjà béni ton frère. His father told him, I've already blessed your brother. Il lui demande, c'est la seule bénédiction que toi tu as. And he asked him, is it the only blessing that il you pour have? Lui, pour, il faut dire quelque chose seulement. For him, he must say something only. Ça fait partie des marques de l'homme naturel. These are part of the signs of natural man.
Nous avons lu ça dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. L'homme naturel ne comprend pas les choses spirituelles. We read it in 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Natural man does not understand spiritual things. Quand tu es naturel, on peut te nommer dirigeant d'assemblée, tu ne comprends même pas ce qu'on a fait. Tu ne comprends pas du tout. When you are natural, a natural man, you can be appointed a leader of an assembly and you don't understand at all anything about it. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Par expérience, by experience, l'homme naturel peut être un lutteur. Natural man can be a struggler. Tout comme il peut être un homme inconscient. As well as he can be an unconscious man. Insoucieux. And careless. Certains se résignent facilement. Some easily resign. C'est la manifestation de la chair. This is the manifestation of the flesh. Il y en a qui luttent comme Jacob. Il y en a qui luttent comme Jacob. Some struggles as Jacob. C'est toujours les manifestations de la chair, de l'homme naturel. It's still the manifestation of the flesh that is natural man. Vous notez ceci. Note this. Même quand tu es choisi, even though you are elected, il y aura toujours la vie naturelle. There will always be the natural man. La vocation ne chasse pas la nature adamique. The call does not cast away Adamic nature. Jacob est élu. Jacob is elected. Pour être plus grand que son frère. To be greater than his brother. Mais ça n'a pas chassé la chair. But this did not cast away the flesh. Réjouis-toi de l'élection. Rejoice about election. Exprime les actions de grâce. Show, express. Exprime ta reconnaissance. Express your gratefulness to God. Mais, but travaille. Work pour être un homme converti et brisé. To be, pour être un élu converti et brisé. To be an elected one who is broken and converted. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Travaille. Work. Coopère avec le Saint-Esprit. Cooperate with the Holy Spirit. Pour être un élu. To become an elected. Converti. Converted. Et brisé. A converted and broken elected one. Un élu spirituel. That is a spiritual elected one. Un élu spirituel. A spiritual elected one. Lis pour nous Genèse 25, versets 25 et 26. Read for us Genesis 25, verse 25 and 26. Genèse, chapitre 25, versets 25 et 26. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquirent. Amen. Genesis 25, reading from verse 25 to 26. And the first came out red. He was like a hairy garment all over. So they called his name Esau. Afterward, his brother came out and his hand took hold of Esau's heel. So his name was called Jacob. Isaac was 60 years old when she bore them. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dans ce passage, in this passage, nous voyons la lutte de Jacob pour sortir le premier. We see the struggle of Jacob to come out the first. Pour sortir du sein maternel. To come out from the mother, his mother's womb. Selon le frère Zach, according to Brother Zach, il avait perdu la bataille. He lost the battle. Mais il a gardé ça comme rancune. Il voulait se venger. But he kept it in order to avenge later. Il fit la dernière tentative pour empêcher son frère. He made the last attempt
to stop his brother. Selon le frère Jacques toujours. Still according to brother Il Jacques, utilisa sa main. He used his hand pour saisir le talon d'Ésaü. To lay hold of the heel of Esau. Mais il ne réussit pas. But he failed. Hallelujah. Praise the Lord. Vous notez ceci. Note this. Nous pouvons voir que la tendance de Jacob à rechercher le premier rang est une manifestation du moi, de la chair. You can see that the tendency of Jacob to seek the first place is the manifestation of the flesh, that is the self. Le moi, le moi. The self. Les rivalités, rivalries, la jalousie, jalousies, les disputes, disputes, la haine, hatred, c'est le moi. These are the self, the flesh. Il a lutté pour empêcher. He struggled il to a raté. Prevent him. He failed. Il saisit le talon. He laid hold of the heel. Plus tard, later on, il arrache le droit d'aînesse. He, par astuce, par ruse. He, by cunning, he snatched the birthright. Vous notez ceci. Note this. Les gens naturels, natural men, et les convertis non brisés, and the converted one who has not broken, sont très forts pour manipuler, pour manœuvrer. Are very strong to manipulate. Pour planifier. To plan. Pour arracher, to snatch, pour détourner, turn away. Ils sont très forts. They are very strong dans la manipulation. In manipulation, toutes sortes de manipulations. Any kind of manipulations. Je connais une sœur me disait que elle avait gagné un bien. A sister told me that she got a wealth en pleurant devant les agents du service social. By crying, pleurant comme si elle allait mourir. Before the agents of the social services, calling for help. Les larmes coulaient, ruisselaient. Her tears were flowing. Oh, les gens se sont dit, pardon, rapidement, donnons-lui une maison. The people said, okay, let us give her quickly, please. Elle a manipulé. She manipulated. Tu peux manipuler ton faiseur de disciples. You can manipulate your disciple maker. Tu peux planifier. You can plan. Avec astuce et ruse. With cunning, with trick. Ça, c'est Jacob. This is Jacob. L'homme naturel. The natural man. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Mais il y a une vérité. But there is a truth. Il faut que quelques personnes prient pour ça. Some people should pray for that. Vous savez que nous sommes les élus, n'est-ce pas? You know that we are elected, not so. Qui sait que nous sommes les élus? Who knows we are elected ones? Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Jésus-Christ. Jesus. Est-ce qu'un élu peut encore être charnel? Can an elected one still be carnal? Qui a répondu? Who answered? Les élus sont charnels. Ils doivent écouter ça très bien. Listen carefully. Elected ones are carnal. Le Saint-Esprit m'a révélé que vous n'avez pas compris. The Holy Spirit revealed to me that you didn't understand. J'ai dit ceci. I said this. Réjouissons-nous de l'élection. Let us rejoice about election. Mais coopérons avec le Saint-Esprit. But let us cooperate with the Holy Spirit. Pour être des élus convertis et brisés. To become broken and converted, elected ones. 1 Corinthiens chapitre 3. Il dit, je vous parle. 1 Corinthiens chapitre 3. Il dit, I speak to you. Comme à des hommes charnels, parce que vous êtes encore des enfants. As to carnal men, because you are still babes. Et j'ai dit, tous les croyants passent par là. And I said, all the believers pass by this way. Mais le Saint-Esprit dit que beaucoup n'ont pas compris. The Holy Spirit told me that many did not understand. Si tu as compris, viens prier. If you have understood, écris dans ton cahier, je me réjouirai.
toujours de mon élection. Write in your book, I will always rejoice of my election. Mais je veux coopérer avec le Saint-Esprit. But I will cooperate with the Holy Spirit. Pour être un élu. To be an elected one. Converti. Who is converted. Et brisé. And broken. Si on comprend ça. If we understand this. Le message de ce soir est fini. The message of tonight is over. Parce que vous voyez, à notre niveau. Because you see, at our level. Je ne peux pas croire que ce que j'ai dit là, personne ne connaît ça. I cannot believe that what I'm saying, no one knows it. D'abord, c'est dans le livre. First, because it is in a book. Qui est vendu. Which is sold. Mais quand on prépare un enseignement. But when we prepare a teaching. Le Saint-Esprit révèle les nœuds. The Holy Spirit reveals the nodes. Les choses qu'il faut exposer à la sagesse des hommes. Things that should be displayed to the wisdom of si men. Nous ratons, if you fail, ça devient des faits de chou. C'est-à-dire le livre devient inutile. If you fail, then the book becomes useless. Je vous ai parlé. I spoke to you. Pas comme à des hommes spirituels. Not as spiritual men. Mais comme à des hommes charnels. But as to carnal men, comme à des enfants en Christ. As to children in Christ. Donc, so, les enfants en Christ, the children in Christ sont charnels. Are carnal. Il faut une opération divine. It needs a divine operation pour les transformer. For them to be transformed. Prions. Let us pray. Seigneur notre Dieu. Merci infiniment, notre Père. Merci, Seigneur, particulièrement pour moi, pour mon élection, Seigneur. Je te rends grâce. Mais, Seigneur, je réalise maintenant que je suis à un carrefour. Seigneur, à ce moment, je peux être un croyant spirituel ou rester un croyant charnel. Mais, Seigneur, tu nous enseignes ce soir que c'est de ma responsabilité. C'est moi qui dois coopérer avec le Saint-Esprit pour devenir un croyant brisé. Seigneur, je m'engage. Seigneur, à faire le travail que tu me demandes pour que je ne sois pas, Seigneur, un enfant en Christ, mais un croyant spirituel. Merci beaucoup au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, merci pour cet enseignement puissant que je viens d'entendre, Seigneur, qui me bénit, oh Dieu. J'étais charnel, Seigneur Jésus-Christ, mais j'ai compté sur toi. Dans mon cœur, c'est sur toi que je comptais. Comme le jour où tu montais au ciel, le Saint-Esprit est descendu et cet esprit est rentré aussi dans mon cœur. Parce que, Seigneur, je t'avais ouvert mon cœur. Merci infiniment de ce que tu m'enseignes pour m'apprendre des grandes choses. Je ne vais pas lutter charnellement. Merci infiniment, Seigneur Jésus-Christ. La gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole ce jour. Merci pour la lumière que tu apportes dans nos cœurs. Tu as dit que tu nous as élus et que nous devons nous réjouir pour cela. Oh Seigneur, et même te rendre d'innombrables actions de grâce, mais que nous avons la responsabilité de travailler, Seigneur, pour être des convertis, brisés, soumis à Dieu. Oh Père, pendant que tu parles, j'ai peur de rester charnel. J'ai peur, Seigneur, d'être animé par les rivalités. J'ai peur d'avoir en moi les querelles. J'ai peur, Seigneur, oh notre Dieu, de vivre toutes les manifestations de la chair. Je crie à toi, Seigneur, pour cette capacité de coopérer avec toi, pour être un converti, brisé, soumis à toi. Je prie que tu interviennes, Seigneur, afin que chacun de nous, oh notre Dieu, travaille
pour être un converti brisé, soumis à toi, Seigneur, qui te laisse œuvrer dans sa vie, qui te laisse apporter toutes les transformations que tu veux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je te rends grâce de ce que tu m'as aimé et tu m'as élu. Mais Seigneur, ce n'est pas la fin. Ça ne s'arrête pas là. Maintenant, Seigneur, tu m'appelles à coopérer avec toi pour être un homme spirituel, un homme brisé, un homme soumis. Oh Seigneur, je vois ma responsabilité. Je vois combien je dois coopérer avec toi dans toutes les circonstances pour que cet homme-là, tel que tu veux, l'homme spirituel, bien formé en moi. Seigneur, je m'abandonne en tes mains. Je suis avec toi. Aide-moi afin que je puisse coopérer dans les moments doux comme dans les moments désagréables à mes yeux pour que je sois brisé et que je devienne ce que tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lis pour nous Genèse 25, verset 29 et 30. Read for us Genesis. Genèse 25, 29 et 30. Genesis 25, 29 and 30. Genèse, chapitre 25, verset 29 et 30. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Amen. Genesis 25, verse 29 and 30. Now Jacob cooked a stew, and Esau came in from the field, and he was weary. And Esau said to Jacob, please feed me with that same red stew, for I am weary. Therefore, his name was called Edom. Amen. Nous avons vu que les gens naturels, les gens charnels, sont très forts pour manipuler, pour planifier, manœuvrer. We've seen that natural and carnal men are very strong to manipulate and to plan. Le frère de Jacob a faim. The brother of Jacob is hungry. Ésaü affamé qui revient de la chasse et demande à son frère Jacob des lentilles à manger. Esau, who is hungry from coming from the field, asked his brother Jacob to give him some stew to eat. Lui, il en profite pour exécuter un vieux dessin, un vieux plan. He take profit of this situation to execute a very old plan. Donne-moi ton droit de naissance, ce qu'il avait cherché dans le sein de sa mère. Give me your birthright, what he sought in his mother's womb. Vous notez ceci. Note this. Les hommes naturels et les croyants convertis non brisés sont toujours en train d'exploiter les autres. Natural men and the believers who are converted but not broken are always seeking to exploit others. Comment savoir si tu n'es pas encore brisé? How can you know that you are not broken yet? Tu vas exploiter tout le monde. You will exploit everybody. Même là où tu es assis là, tu as déjà gagné quelque chose. Even where you are sitting, you have already won something. Quelque chose te dit, il faut toujours gagner. Something tells you you must always
win. Quand tu n'es pas brisé, ton faiseur de disciples a des problèmes. When you are not broken, your disciple maker is in trouble. Il te paye pour te bâtir. He pays you to build you up. S'il te réprimande, if he rebukes you, il a chaud pendant même un an. It will be bad with him for even 1 month, 1 year. J'ai faim. I am hungry. Je veux manger un peu de ta nourriture. I want to eat a bit of your food. Donne-moi ton droit d'aînesse. Give me your birthright. C'était programmé, c'était là, c'était dans sa tête. It was planned, it was there in his mind. C'était dans ses rêves. It was in his dreams. C'était dans ses ambitions. It was in his ambitions. Et il a gagné. And he won. Nous ne parlons pas d'Ésaü. We are not talking about Esau. C'est un autre cas, mais non brisé aussi. This is another case, and he is also not broken. Et n'oubliez pas que l'élection. Do not forget that election. C'est en fonction des tâches que le Seigneur accorde à certaines personnes dans le présent. It is in accordance monde, par rapport à son œuvre. It is in accordance with the graces that the Lord grants to some people in this world regarding his work. Les gens de nos familles seront sauvés. The people of our families will be saved. Mais nous sommes des premiers élus. But we are the first fruit, the first elected. Le fait d'être croyant maintenant avant les autres fait partie de l'élection. The fact of being a believer now before the others is part of election. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Le fait d'être dirigeant d'une assemblée. The fact of being a leader of an assembly fait partie de l'élection. Pourquoi toi? Is part of election. Why you? Ça c'est l'élection. This is election. Ça ne dépend pas de nous. It depends not. It does not depend on us. Ça dépend de la bonté et de la miséricorde de Dieu. It depends on the goodness and the mercy of Jesus. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc l'élection peut faire de quelqu'un comme Jacob. So election can make of someone like Jacob. Quelqu'un de plus grand que son frère Esaü. Someone greater than his brother Esau. Mais ça ne veut pas dire qu'Esaü ne sera pas sauvé s'il marche avec Dieu. But it does not mean that Esau will not be saved if he walks with God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si nous voulons aller loin, if you want to go far, il faut renoncer au projet égoïste. You must renounce selfish projects. Il faut renoncer à la vengeance. You must renounce vengeance. Il faut renoncer aux querelles. You must renounce quarrels. Au désir de se faire voir. The desires of wanting to be seen. Donc les hommes charnels, carnal men, les gens non brisés, people who are not broken, travaillent. They work and work and work pour exploiter émotionnellement, to exploit emotionally, spiritually. Intellectuellement, intellectually, ils exploitent. They exploit and exploit and exploit. Financièrement, matériellement, financially, materially, ils exploitent. Ils sont toujours en train de recevoir des autres. They are always receiving from others. Toujours, always. Don. Give. Et ils ne savent pas donner. And they don't know how to give. Mais à eux, on doit tout donner. But to them, we must give all. J'ai demandé à quelqu'un, tu es quel genre d'homme? On te donne tout. I asked someone, what kind of man are you? You are given everything. Et toi, tu ne donnes rien. But you don't give in return. Ils reçoivent l'amour. They receive love.
Des hommes charnels non brisés, des convertis non brisés. Carnal and not broken men. Ils reçoivent l'amour. They receive Ils reçoivent l'attention. They receive attention. Ils reçoivent la louange. They receive praise. Les encouragements. Encouragement. La sympathie. Sympathy. Tout. All. Tout. All. Tout. Et ils se plaignent. And they complain. Ils se plaignent. They complain. Pose-toi la question. Ask yourself the question. Qu'est-ce que mon frère gagne parce qu'il est avec moi dans une relation? What does my brother win because he is with me in a relation? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Qu'est-ce que ton disciple gagne? What does your disciple win? Parce que c'est toi qui le bâtis. Because you are the one building him up. Qu'est-ce que ton faiseur de disciple gagne? What does your disciple make a win? S'il est encore vivant. If he is still alive. Si les manipulations ne l'ont pas détruit. If manipulations have not destroyed him. Quelqu'un me disait, si tu veux me bâtir, hein, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Someone was saying, qui bâtit l'autre maintenant? Someone told me, if you want to build me up, do this, do this, do this. And I asked him, who then is building the other? Même cette bonne chose qu'on appelle formation de disciples. Even this good thing we call the making of disciples. Quelqu'un veut gâter ça. Someone wants to spoil it. En t'enseignant comment tu dois le bâtir. He wants to destroy it by teaching you how you should build him up. Ça dit, il ne veut pas changer. That is, he doesn't want to change. Il prend les précautions pour être dans cette vision-là sans rien perdre. He takes precautions to be in that vision without losing anything. Si tu veux me bâtir, hein, if you want to build me fais up, comme ça, tu fais comme ça. Do this, do this. Hey, do repens-toi. This. Si tu as dit ça à quelqu'un, repens-toi tout de suite. Tu lui dis, bâtis-moi, frère. If you have said this to someone, repent right now and tell him, build me up, brother. Si je demande maintenant qui a fait ça, vous serez étonné. If I ask now who did this, you will be astonished. But I will not ask. Parce que la charité fait quoi? Because charity, what does charity do? L'amour fait quoi? What does love do? Couvre une multitude de péchés. Love covers a multitude of sin. S'il vous plaît. Please. Bénis. Bless tous ceux qui sont en relation avec toi. All those who are in relation with you. C'est-à-dire, sois pour eux une bénédiction. Be for them a blessing. Si tu pries dans une assemblée, if you pray in an assembly, sois une bénédiction pour tous les membres de l'assemblée. Be a blessing for all the members of the assembly. Si tu es dans une zone, if you are in a zone, une zone de conquête, a zone of conquest, sois une bénédiction pour toute la zone. Be a blessing for the entire zone. Ne réclame rien. Do not claim anything. Ne fais rien pour qu'on te voie souffrir. Do nothing for you to be for you, so that people can see you suffering. Ne prends pas cette pierre, tu déposes et un seau d'eau, tu es là, tu attends. Quand le leader va passer, tu prends vite, tu te mets à travailler avec beaucoup de sueur. Do not take a bucket of water and the sweeping cloth and you put it there, you wait when the leader is passing by and then very quickly you take it and sweep the floor. Le Saint-Esprit peut lui demander, fais un tour quelque part là-bas. Et puis tu restes là toute la journée, personne n'arrive. The Holy Spirit can tell him, make a turn somewhere there, and you remain there all day long, no one comes. Sois une bénédiction. Be a blessing. Sois une bénédiction. Be a blessing. Travailler sur cette loi dans les années 90, 91, 92. I worked on this law in the years 1990, 1991 and 1992. Quand quelqu'un sonnait, when someone rang, je disais Seigneur, I said Lord, que je sois une bénédiction. Let me be a blessing. Et puis j'ouvrais. And I opened. Et j'ai vu la gloire de Dieu. And I saw the glory of God. J'avais un congélateur.
I had a freezer. J'étais le genre de célibataire non organisé. The kind of a single who is not organized. Les disciples étaient à la maison pleine. The disciples were many at home. They were very many. Je n'étais pas encore marié. I was not married yet. Quelqu'un vient, il se couche, il dit réveille-moi à une heure. L'autre dit réveille-moi. La maison était comme une chaîne de prière. The house was like a chain of prayer. Someone comes and say wake me up at 1 a.m. Another one will say wake me up at 2 a.m. Et le congélateur était branché. And the freeze was plugged vide and empty. Un jour, j'étais au bureau. One day I was in my office. Le Seigneur me dit tu es méchant. Le Seigneur me dit tu es méchant. The Lord told me you are wicked. Le congélateur est branché. The freezer. Il n'y a rien dedans. Is plugged. Et les disciples sont pleins la maison. And there is nothing in. And disciples are many. J'ai couru. I ran. J'ai rempli le congélateur. I filled the freezer. Plus tard. Later on. Maman Colette est venue. Maman Colette came. Jésus-Christ. Jesus. C'était une école difficile. Elle priait, elle a commencé à rédiger les sujets. Non, étant fiancée, elle rédigeait les sujets de prière pour que j'oublie le pain. While we were engaged, she started writing prayer topics so that I forget the bread. Dès que je sors le pain, c'est fini, hein? Le pain, le pain, le pain. As soon as I get c'est un célibataire qui ne prépare pas, il n'a rien. A single who does not cook, he has nothing. When I get out, it is bread, bread. Mais la leçon de voir un congélateur vide m'a touché jusqu'à ce jour. But the moral of seeing a freezer that is empty moved me up to this day. Les gens sont chez toi. People are at your, in your house. Mais à leur disposition tout ce qu'il faut. Put everything that they need to their disposal. Autant que tu es capable de le faire. As long as you are able to do so. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Sois une bénédiction. Be a blessing. Même aux païens. Even to the unbelievers. Quand on est brisé, when you are broken, on est tout. À tous. We are all to all. C'est un travail. It's a work. Je vais reprendre cet exercice. I will retake that exercise. Quand mon téléphone sonne, un jour, one day, le téléphone sonne, je murmure. My mobile phone rang and I murmured. Le Seigneur m'a laissé commettre ce péché pendant quelques temps. The Lord allowed me to commit that sin for some time. One day, il me dit, pourquoi tu as donc acheté le cellulaire? He told me, why then did you buy the mobile phone? J'ai changé. I changed. Maintenant, quand tu m'appelles, je reviens regarder certains numéros, je rappelle. Now, when you call me, I come back to look some other numbers, some numbers, and I call back. Je refuse de me plaindre. I refuse to complain. Frère, la vie, le moi n'est pas bon. Brethren, the self is not good. Après, mon esprit s'est ouvert un jour. One day, my spirit was opened. Quand quelqu'un rétrograde, when someone backslides, j'appelle. I call. Il ne décroche pas. He does not pick up the phone. J'appelle. I call. Il ne décroche pas. He does not pick up the phone. Le Seigneur me dit, tu as vu ce que ça fait quand on t'appelle. Tu as vu ce que ça fait. The Lord told me, you see what it does when they call you. You don't pick up the phone. Frère, brethren, le moi, the self, n'est pas bon. It's not good. Nous avons commencé la prière de l'église. We have started the prayer of the church. Viens à la prière. Come to prayer comme une adoration au Dieu vivant. As a worship to the living God. Ne t'amuse pas avec. Do not joke with it. Dieu va te bénir. God will bless you. Ne viens pas pour quelqu'un. Do not come for someone. Viens parce que cet acte est un acte d'adoration. Come just because this act is an act of worship.
Et toutes nos rencontres. And all our meetings. Si tu es convoqué, if you are summoned, va, go, comme adorant Dieu. As worshiping God. Qu'est-ce que David dit? What does David Je suis dans la joie. I am joyful. Quand on me dit, when I allons à la maison when de I am told, let us go to the house c'est, of the Lord. C'est ce qui doit caractériser tous ceux qui sont convertis. It is that which should characterize all those who are converted. Ce n'est pas qu'il y a quelque chose là-bas. It's not that there is something there. Qu'on va leur, qu'ils vont recevoir. That they will receive. C'est que. Is that la sainte ou sainte convocation. The holy convocation. Leur procure la joie. Give them joy. Ils sont excités. They are excited. Le zèle de ta maison. The zeal of the house. Me dévore. Eats me up. Comme un feu. As a fire. Fais tout. Do all. Comme un sacerdoce. As a call. Comme une adoration. As a priesthood. As comme a worship. Une offrande à Dieu. As an offering to fais God. Fais du bien aux frères. Do good to the brethren. Comme une obéissance à Dieu. As an obedience to God. Ils n'ont rien à te donner. They have nothing to give you. Qu'est-ce qu'un homme peut te donner? What do they have to give you? Toi-même, quand tu t'assois. You yourself, when you sit down. Quand tu me regardes. When you look at me. Qu'est-ce que je peux te donner? What can I give you? Si tu viens adorer. If you come to viens worship. Adorer ton Dieu. Come and worship your God. Tu verras. You will see. Il y a des bénédictions présentes et éternelles. There are present blessings and everlasting ones. Quand on sait interpréter les desseins de Dieu. When you know how to interpret the purposes of God. Et il y a des erreurs qu'on ne commet pas. And there are mistakes that we don't commit. Quand on sait. When you know où on va. Where we are going. Et ce qu'on veut. And what we want. Si Dieu t'a élu. If God has elected you. Serre-le comme un élu. Serve him as an elected one. Avec action de grâce. With thanksgiving. Ne manipule pas les gens. Do not manipulate people. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous savez. You know. Je vais vous donner un exemple de manipulation. I will give you another example of manipulation. Supposons que je vais vous escroquer. Supposing that I want to crook you. J'ai dit. And I say. Dieu m'aime beaucoup. God loves me a lot. Je me suis consacré à Dieu. I consecrated myself to God. Je suis prêt à souffrir. I'm ready to suffer. Et je souffre même. And I'm suffering now. Mes enfants. My children. Ont déjà fait une semaine sans manger. I've already spent 1 week without eating. Il n'y a rien à la maison, même le rien. There is nothing. Mais mon Dieu. But my God. Ah, ne m'abandonne jamais. Never abandon. Je suis en train de te manipuler. I am manipulating you. Pour que tu me donnes l'argent. So that you give me money. Un homme normal. A normal man. Qui entend. Who hears. Que cet homme, ses enfants ont déjà fait 7 jours. That this man, his children have already spent 7 days. Même si tu n'as pas ça là. Even if you don't have it. Tu vas te lever doucement, aller chercher. You will go slowly and go and take it and come. Certains manipulent, ils ne savent pas qu'ils sont en train de manipuler. C'est ce qu'on appelle manipulation. Some people manipulate, they don't know that they are manipulating. This is what we call manipulation. Tu fais you do des choses things, et tu dis des choses and you say things, qui modifient leur comportement. Which modify their behavior. Jusqu'au risque. Up to a risk. Et quand tu réalises que tu manipules. And when you realize that you manipulate, faut faire attention. Pay attention. Pour ceux qui sont d'Abidjan, for those who are from Abidjan, j'avais arrêté. Il y a un frère qui avait rendu son témoignage ici. There was a brother who gave a testimony here. Mais il était sincère. But he was sincere. Mais ça faisait pitié. But it was. Ça a déclenché des offrandes. It was pitiful and. This triggered offerings. Et mon esprit était irrité. But my spirit was irritated. Quelque chose m'a dit bientôt celui qui a un besoin va faire la même chose. Some et ça sera une autre œuvre. I received in my mind that someone who
later on, someone who has a need will do the same thing, and this will be. Le frère disait comment il a œuvré péniblement pour avoir un peu de transport pour arriver ici. The brother said how he managed terribly to have the little transport fare to come here. À partir d'aujourd'hui, sache que ta manière de poser nos problèmes est une contrainte morale. Tu imposes aux gens de t'écouter et d'agir. From now on, you must know that the way you pose your problem is just like a moral constraint. You just want to constrain people to act. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Un jour, nous étions à la RAM, la réunion avec le leader. One day we were at a meeting with the leader. On présentait le rapport. We are presenting our report. J'ai dit au frère que pour nous, vraiment, nous, on n'a pas de problème. L'argent, là, on n'a pas de problème. I told the brethren that for us, we do not have any problem concerning money. Il ne faut pas que je salisse le nom des frères. I should not spoil the name of the brethren. Les frères prennent soin de nous. The brethren take care of us. Nous sommes bien. We are blessed. Ça, c'est très important. This is very important. Tu peux faire le misérable là-bas. You can, le leader commence à trouver des solutions pour t'aider. You can show yourself miserable there and the leader starts seeking solutions. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand tu marches avec quelqu'un, when you walk with someone, tranquillise la personne. Tranquilize the person. Il y a une jeune sœur, elle est mon disciple. I have a young sister, she's my disciple in Cameroon. J'ai tout fait dire que c'est toi qui me bâtis. Dis, tu ne peux pas, c'est loin. Dis, c'est toi. I did everything. She said, no, you are the one who should beat me up. I said, no. She said, you. Donc, j'ai posé un test. So I made a test. Elle a veillé sur Gracielle pendant qu'elle était malade. She watched over Gracielle while she was sick. Et on devait se séparer. And were to part. Je lui dis, tu as besoin de combien? I ask her, how much do you need? Elle dit, la scolarité, mon papa paye. My school, the school fees, my father pays. Bon, n'a pas de besoin. No needs. Je lui dis, tu as passé le test. I told her, you passed the test. Je lui ai donné 50 000. I gave her 50,000. Vous voyez? You see? Elle n'a pas dit chance. She didn't say luck. Elle a dit j'ai une mes soutenance machin tout. J'allais dire que ça celle-ci n'est pas mon disciple. If she started to show me her troubles, her problems, I would say no, this one dit, is dès not que j'arrive, my disciple. Dès que j'arrive, je t'appelle. I tell her as soon as I get there, I'll call you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Le Seigneur peut te nourrir. The Lord can feed you. Ne fais pas pitié. Sois normal. Do not show that you are miserable. Ne montre pas que tu n'as pas mangé. Do not show that you have not eaten. Ne montre pas ça à un homme. Do not show this to a man. Montre ton ventre à Jésus. But show your belly to Jesus. Les corbeaux, souvenez-vous des corbeaux. Les corbeaux vont te visiter. The raven, remember the raven. Avec des morceaux de viande dans leur bec. They will visit you. Acclamation. Let us clap for Jesus. Ne fais pas pitié. Do not feel pity. Dieu voit. God sees. Et c'est lui qui peut. And he is the one who can. Tenons-nous debout. Let us stand on our feet. Parle à Dieu. Speak to God. Dis-lui. Tell him. Que j'ai cru. That I believed. Voici, il y a de cela tant d'années. About such number of years. J'ai fait la chair. I did the flesh. Je n'ai rien gagné. I got nothing. Maintenant, j'accepte. Now I accept que tu me conduises. That you lead me. Prions ensemble. Let us pray together. Dieu Père, say, oh Father, j'ai manipulé les hommes. I manipulated men.
Je n'ai rien gagné. I got nothing. J'arrête. I stop. Je veux dépendre de toi. I will depend on you. Continue à prier. Continue to pray. Gora baka sharga 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 baka. Dieu Père, Dieu Father, j'ai recherché la louange des hommes. I sought the glory of God, et of men. Ils m'ont loué. But they praise me. Mais je n'ai rien gagné. But I want nothing. Maintenant, now, c'est toi que je veux adorer. It is you that I want to worship. Je veux m'attendre à toi. I want to expect you. Que ma louange vienne de toi. My praise comes from you. Continue à prier. Continue to pray. Uraga baga sharga baga sharga baga sharga. Uraga baga sharga baga sharga baga sharga. Urbaga sharbaga sharbaga sharba urbaga sharbaga sharba urbaga sharbaga urbaga sharbaga urbaga sharbaga sharbaga urbaga sharbaga urbaga sharbaga 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 sharbaga. Dieu Père, Dieu Father, je me repens de toutes les manipulations. I repent of all manipulations. Éloigne de moi les conséquences. Take away the consequences. Éloigne de moi les conséquences. Take away the consequences from me. De ce péché horrible. Of these horrible sins. Qui a transformé tout mon fond en mensonge. Which transformed all my bottom to another. Qui a transformé tout mon être en mensonge. Which have transformed all my being. Oh Père. Oh Father. Je veux être un élu. I want to be an elected. Converti. Converted. Brisé. And broken. Homme spirituel. A spiritual man. Prions en langue. Let us pray in tongues. Kenda raba kenda raba kenda raba kenda raba kenda raba kenda. Ele rebakiri bakasebeka uriya bakasebeka uriya bakasebeka rata yamazela yata bakasi yata bakala baka ura bakala baka ura bakala baka ura bakala baka ura bakala baka. Dieu Père, oh Father, je te dis merci. I give you thanks pour la vérité, for the truth, selon laquelle, according to which, l'élection, the election, ne chasse pas la chair, do not cast away the flesh, l'élection, the election, ne tue pas le moi, do not kill the self. Je dois travailler, I must work, en tant qu'élu, as an elected one, pour coopérer avec le Saint-Esprit, to cooperate with the Holy Spirit, pour coopérer avec le Saint-Esprit, to cooperate with the Holy Spirit, afin de devenir un homme spirituel, in order to become a spiritual afin man, de devenir une femme spirituelle, in order to become a spiritual woman. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci Seigneur. Thank you Lord. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you.